Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout abonnez, cliquez là-dessus. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mon frère, ma soeur, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je vous le dirai tous les jours de ma vie. Il y a des choses graves qui se passent dans ce monde. Satan nous combat. Si toi tu es chrétien, sache que automatiquement tu deviens l'ennemi du diable lui-même. Et le diable va te combattre. Il ne va pas te laisser comme ça. Est-ce que tu vois? Et le diable cherchera quoi? Les voies et moyens pour pouvoir t'atteindre. Mais il ne va pas te vaincre. Si et seulement si tu pries beaucoup, tu t'accroches à Dieu et tu es l'ami de Jésus. Tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aime Dieu. Mais aussi, tu dois également poser d'autres actions qui vont te sauver la vie, qui vont t'aider même, qui vont vraiment t'aider. Voici les 5 choses qu'il ne faut pas faire ou ne faut pas faire pour échapper à Satan. Vous savez que Satan, il a des agents. Il habite en l'homme, hein? Il a des agents. Il a des satanistes, mais il a aussi des sorciers. Et les sorciers, ils nous entourent. Il n'y a aucune famille où il n'y a pas de sorciers. Voici des choses à ne pas faire. La première des choses, ne dis jamais à un sorcier quelle est ta nourriture préférée. Ou il ne faut pas ouvrir la bouche pour dire ah là là, la telle nourriture, c'est ma nourriture préférée. Si tu cherches, ils vont t'avoir par cette nourriture. Ils ne vont pas passer par quoi que ce soit. Deuxième chose, ne dis jamais que tu aimes tel ou tel genre de femme. Si tu dis que tu aimes tel ou tel genre de femme, ils viendront physiquement avec une femme qui ressemble à cette femme. Ou, spirituellement parlant, tu la verras en songe. Et si tu as des rapports sexuels avec elle, tu risques d'avoir la malédiction. C'est dangereux. Ce sera avec des démons que tu vas coucher directement. Troisième chose. La troisième chose à ne pas faire, c'est de se lever. Tu vas te taper la poitrine. Moi, je suis trop fort, je suis trop chrétien. Jamais. Ah, c'est dangereux. Néanmoins, tu peux dire, Jésus-Christ est Seigneur. Il est fort et il est plus fort que tout. Et un sorcier ne peut pas te vaincre si tu es avec Jésus. Troisième chose. C'est ça, non? La première chose, c'est quoi? Il ne faut jamais dire à un sorcier, dis-moi si tu as bien retenu. Il ne faut jamais dire la nourriture que tu aimes, ta nourriture préférée à quelqu'un. Deuxième, la femme de ton choix ou bien l'homme de ton choix. Troisième élément. Ok. Troisième élément. Il ne faut jamais montrer ton point faible à ton ennemi. Jamais. Quelles que soient les difficultés, accroche-toi, serre les dents et accroche-toi à Dieu. Prie beaucoup. Le Seigneur va venir à ton aide, à ton secours. Quatrième chose, tu dois faire attention à toi-même, ta propre pensée. Il ne faut jamais avoir de mauvaises idées contre quelqu'un ou avoir de mauvaises pulsions. Parce que sachez que aujourd'hui, il y a des démons qui sont capables de savoir ce que vous pensez et reproduire toutes ces choses physiquement. Et toi, tu croiras que, bon, peut-être comme tu as des songes ou bien tu as des visions, peut-être que ça te vient de tes visions ou bien la pensée que tu viens d'avoir vient de Dieu. Mais, waouh, mes frères, il y a des sorciers, des démons qui opèrent face à cela. Vous voyez que de tout ce que nous sommes en train de citer, ça vient de qui? De toi-même. C'est-à-dire, toi-même, n'ouvre pas de porte au diable. Ça, c'est la cinquième chose pour ce soir. La cinquième chose à ne pas faire, c'est de toi-même t'ouvrir à Satan. Comment on s'ouvre à Satan? Au travers de la masturbation, le péché. Il ne faut jamais faire ce genre de choses. Si tu veux vraiment échapper au contrôle de Satan toute ta vie. Et je te conseille même de prier beaucoup, de lire la parole de Dieu, même monter en jour de jeûne. C'est très important. Un chrétien sans prière, sans méditation, sans louange, sans adoration, mais ce n'est pas le vrai chrétien. Comment tu vas montrer que tu es vrai chrétien? Wow. Il faut donc suivre toutes ces choses et ça va vraiment t'aider. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça vous a aidé, laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous avez apprécié, tout simplement. Et nous en ferons une autre vidéo où nous vous dirons encore 5 choses à savoir sur
les sorciers ou le monde des ténèbres ou même Satan lui-même. Ça va aller comme ça. C'est l'ouverture des vidéos top sur Nuance Reborn. Abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt. Nuance Reborn. Abonne-toi aujourd'hui. Nuance Reborn.